Good morgen, allez, Iden, le tutor aujourd'hui, le Nishmat Avram, Reiner, Berben, Fortune, Mazal, Edida, Betester, Yaakov, Nissim, Ben, Chana, et Machlouf, Micha, Ben, Masouda, si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sagunet éternel. Nous étudions Masechet Ketout, Perek, Gimel, Mishnah, Yud, Amar, Rabbi Akiva, Shatiet, Rabbi Eliezer. Aose, Melachot, Harbe, Beshabatot, Harbe, Me, Ein, Melacha, Achat, Behelem, Echad, Mahum. Chayav, Achat, Al-Kulan, ou Achat, Al-Kol, Achat, Ve, Achat. Amarli, Chayav, alcool, achat, ve achat, mikal vachomer. Uma, imhanida, shen batutsaot harbe, ve chataot harbe. Chayav, alcool, achat, ve achat. Shabbat, shesh batutsaot harbe, ve chataot harbe. Enudin, shayer, chayav, alcool, achat, ve achat. Marti, lo, lo. Ima, marta, benida, shayesh bashte azarot. Shehu, muzar al anida, ve anida, muzaret alav. Tomar, be shabbat, shen baila, azara, achat. Amarli, הבעל הקטנות יוכיח, שאין בהם אלא אזהרה אחת. וחייב הכל אחת ואחת. אמרתי לו, לא. אם אמרת בבעל הקטנות, שאף על פי שאין, בה, שאין בהן עכשיו, יש בהן לאחר זמן. תאמר בשבת שאין בה לא עכשיו ולא לאחר זמן. ולא לאחר זמן. אמר לו, הבעל הבהמה יוכיח. אמרתי לו, בהמה כשבת. כמו זה פיול רמרקה, סין לונג משנה סרט, מסה, אין פינג פונג, אוטור דקספיקטי. Une halakha, ramener des preuves, réfuter, reprouver, réfuter, et ainsi de suite. Et on commence tout de suite à traduire. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Shaltiet Rabbi Eliezer. On est dans le même lancement en fait, des questions de Rabbi Akiva à ses rabbanim, et d'autant plus que c'est une question qui va se rapporter directement sur les ilchot des chilouk khataot, le fait de dissocier les korban khatat, comme ce qu'on va, comme ce qu'on a expliqué, comme ce qu'on va réexpliquer. Et avec une nouvelle question, Shaltiet Rabbi Eliezer, il a posé une question à Rabbi Eliezer, cette fois-ci c'est plus Rabban Gamliel Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Eliezer. Aose melachot harbe beshabatot harbe, mais en melacha achat. Celui qui va faire plusieurs melachot, plusieurs travaux types à Shabbat, à plusieurs Shabbat, que toutes ces melachot sont toutes des dérivés d'un seul av melacha. Et tout ça est levé behelem echad, dans un seul oubli, une seule erreur qui l'amène à toutes ces erreurs. Et la question, elle est, Chayav al Chayav, Achat al Kulan, est-ce qu'il sera dans ce cas-là passible d'un Korban Khatat unique sur tous, ou Achat al Kol, Achat ve'achat, ou est-ce que ce sera Chayav sur chacune de ses Averot et chacun de ses Shabbat? Et sur ça, il a répondu, Amarli, Chayav al Kol, Achat ve'achat, Mikal vachomer. Il a dit, non, sache qu'il sera Chayav sur chacun d'entre eux, et par Kal vachomer, par déduction de la fortiori, qu'on verra dans quelques. Seconde, minute, ça prendra combien de temps ça prend. Et on commence d'abord à expliquer un petit peu le Safek. En fait, hein, vous voyez, le Lombartanora, c'est pour expliquer qu'en réalité, il y a deux questions que Rabbi Akiva pose à Rabbi Eliezer. En théorie, l'idéal, ça aurait été de fermer Ketout, partir ouvrir une Mishnah dans Shabbat, dans Perek Zayin, et Klal Gadol Amour Shabbat. Mais on va le faire un petit peu à l'oral, on va expliquer quelques petites notions du Shabbat. Shabbat. La Torah, elle interdit l'ota, c'est kol manacha, tu ne feras pas de travail. Travail type, on déduit du Mishkan qu'il y a 39 travaux types à Shabbat. Il y a, en plus de ça, on déduit que chaque travail type, il a en plus de ça des dérivés. Des fois des dérivés qui sont assez subtils, assez loin. Il y a, tout d'abord, on va prendre un exemple, on va parler de quelque chose de simple, kotser, cueillir à Shabbat. Quand on dit cueillir à Shabbat, ou bien non, zoréa plutôt, ça m'arrange plus. Zoréa. Zoréa, planter des graines à Shabbat. On inclut en fait dans le Melchet Zoréa aussi le fait d'arroser des plantes, parce qu'on favorise la pousse, même si on ne fait plus l'action de prendre une graine et de la planter dans la terre, elle est déjà plantée. On fait juste une action d'arroser, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrose? On aide la pousse, c'est aussi un interdit. Il y a aussi, imaginez un arbre, vous savez qu'il faut élaguer les arbres pour qu'ils poussent bien, il y a des mauvaises branches qui sortent et ça fait que l'arbre il perd ses forces, donc on gagnera en fait à tailler quelques branches pour que là puisse concentrer ses forces sur d'autres branches et faire sortir des fruits de meilleure qualité. Ça s'appelle zomer. Il va élaguer l'arbre. C'est encore un autre interdit que. C'est encore dérivé de Zoréa. Il est encore en train de favoriser la pousse. Donc en fait, voilà, j'ai pris un super exemple. On a autour de Zoréa. Zoréa, donc planter une graine à Shabbat. Il y a aussi zomer. Il y a aussi mashke. Arroser sa plante pour qu'elle pousse plus. Trois interdits qui sont tous dérivés d'un seul travail type. Il y a comme ça, pour chaque melacha, on va retrouver ces dérivés. Ouais,
prendre bonnet, construire un Shabbat. Un dérivé, c'est, figurez-vous, un dérivé, c'est de fabriquer du fromage. Ça, c'est difficile à comprendre pourquoi, mais en fait, quand on met du fromage, qu'on met la prisette dans le lait, quand on prend du lait, on met de la prisette dedans, ça va dissocier le lait du petit lait, en fait, la matière, j'ai oublié comment ça se dit, la matière blanche, enfin, le fromage du petit lait, et puis après, on va prendre ce blanc, donc ces petits bouts de fromage, on va les réunir, dans un seul interdit de bonnet. Et ainsi de suite, comme ça, pour les 39 travaux de Shabbat, Zoréa, Choresh, Kotzer, ma mère, Dach, Zoré, Boré, vous allez tous dans la Sechet Shabbat, il y a chaque des malachotypes qui sont interdites et des travotypes qui sont interdits, et à part ça, des dérivés. Maintenant, par rapport à la transgression, on a dit qu'il y a une seule transgression écrite dans la Torah. L'otase kol menacha, on inclut dedans tout. Pourtant, quelqu'un qui, on va prendre un cas maintenant, que quelqu'un qui savait qu'aujourd'hui c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était interdit de faire Zoréa, Choresh, Kotzer, mais il pensait qu'à Shabbat, il fallait juste ne pas fumer. D'accord? Et donc du coup, il a fait tout sauf ne pas fumer. Donc il a transgressé maintenant 38 travaux. Peut-être même plus. Il a transgressé plein de travaux. Pour chaque transgression de Shabbat, chaque travail type, chaque melaché sera passible d'un korban. Mais par contre, s'il a fait plusieurs fois le même korban, il a planté tout un champ de graines pendant tout Shabbat, il sera chaval juste une seule fois sur Zoréa. Tandis que par rapport au travaux type, il sera chayav sur chaque korban. Une première question de Rabbi Akiva qui pose à Rabbi Eliezer, elle est de savoir si maintenant il ne va pas transgresser trois fois la même melacha, le même travail type, mais il ne va pas non plus faire trois travaux types différents. Il va faire une melacha et deux dérivés. Comme par exemple on a dit Zoréa, Zomer et Mashke. Ouais, on a dit il va par exemple donc planter une graine. En plus, il va élaguer son arbre, et en plus, il va même arroser sa plante. Donc, il a transgressé trois fois l'interdit de favoriser la pousse. C'est Zoréa. Et il lui a posé une première question à Rabbi Akiva. Est-ce que là, je vais considérer que cette fois-ci, puisque c'est des actions foncièrement différentes, même si elles sont dérivées, il y a le même principe qui est véhiculé, mais c'est des actions différentes, est-ce qu'on va dire que il va être Hayav trois korban khatat, ou sera Hayav juste un seul korban khatat? Premièrement. Deuxième question qu'il a Rabbi Akiva, elle est en plus de ça. Imaginons qu'il va faire la même melacha, mais à plusieurs Shabbats. En fait, le pauvre, il n'a jamais su qu'il ne fallait pas planter des graines à Shabbat. Donc du coup, il a planté une graine au premier Shabbat, Bereshit. Après le deuxième Shabbat noir, il a planté une nouvelle graine. Shabbat Lech Lecha, encore il a replanté des graines. Et ainsi de suite, chaque Shabbat, il a transgressé pendant 5 Shabbats de suite, la même melacha. Est-ce qu'il sera chayav pour chaque Shabbat indépendamment? Ou bien non, c'est un seul oubli. Et ça nous touche au même principe qu'on a déjà véhiculé, et la même idée qu'on a exposée plusieurs fois déjà, à savoir, c'est la grande finesse de tout ce chapitre, en fait, de comprendre, à partir de quand on considère que tout ça s'appelle que tu as fait une seule fois une grande transgression, que tu as répété 50 fois, mais ça s'appelle une grande transgression, ou bien non, cette fois-ci, on a dissocié les cas de figure, où chacun s'est devenu un cas de figure indépendant, donc chaïe passible d'un korban indépendant. D'accord? C'est la double question qui pose Rabbi Akiva, donc, à savoir, Av et les toldot. Av et toldot, un travail type et ses dérivés, est-ce que sur chacun d'eux, c'est considéré comme une entité indépendante, donc un korban pour chacun indépendamment, premièrement. Deuxièmement, est-ce que le fait de transgresser à chaque Shabbat de nouveau fait que maintenant chaque Shabbat représente un interdit indépendant? Ok? Telle est la double question de Rabbi Akiva. Je limite là l'approfondissement parce qu'il ne faut surtout pas alourdir davantage. J'ai déjà tout dit, sache qu'il y a juste des petites nuances dans ce que j'ai dit. J'ai fait attention d'exprimer la chose comme il faut. Regardez si vous intéressez le Barthénois qui va entrer dans des détails avec le Shogeg et Mézid, mais je ne préfère pas alourdir davantage. Ok, donc double question. Est-ce que un Av et ses dérivés, est-ce qu'un travail type et ses deux dérivés ou trois dérivés, chacun va être Hayav d'un Korban? Et est-ce que la même action répétée à plusieurs Shabbats va faire qu'on va... alors qu'on est mésine sur le Shabbat, ouais. Est-ce qu'on va considérer que malgré tout, chaque Shabbat, c'est une nouvelle transgression? Ou bien non, c'est au final, toute ta vie, t'avais une seule grande erreur qui t'a amené à faire une seule grande action de transgresser Shabbat en plantant des graines, même si c'est d'un Shabbat à l'autre. Et sur ça, hein, donc ça c'était la question. Voilà, on a traduit dans les mots, on retraduit. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Shaltet Rabbi Eliezer.
J'ai posé la question à Rabbi Eliezer. Raosé Melachot Arbe, celui qui va faire plusieurs travaux, Beshabbatot Arbe, à plusieurs Shabbat. Mais En Melachachat, mais que tous ces travaux, en fait, ils sont tous. Mais En Melachachat, tous des dérivés d'un seul travail, en fait. C'est une Melacha, et c'est trois. Une Melacha, comme on a dit, Zoréa et Zomer et Mashke. Et ça, il répète à chaque Shabbat, il refait la même chose. Behelam Echad, et tout ça, c'est dans une seule erreur, il ne savait même pas que c'est interdit de faire ça. Mahou, quel est son statut? Chayav al-Kulan, est-ce qu'il sera un seul sur tous? Et la transgression interdit de planter à Shabbat, lui et tous ses dérivés, et à plusieurs Shabbat. Ou Achat al-Kol Echad va-Achat, ou bien est-ce qu'il sera Chayav sur chacune d'entre elles, doublement sur chacune de ses actions, et à chaque Shabbat en plus? Amarli lui a répondu Rabbi Eliezer, Chayav al-Kol Achat va-Achat, Mikal va-Chomer. Il sera Chayav sur chacun d'entre elles, et je déduis ça par Kal va-Chomer, par déduction, par a fortiori. Comment ça se passe? Uma imhanida. Regarde avec l'anida. Et en fait, il explique le bartonnant qui veut dire avec les nidot. Bagma abrinant ne nidot. Il faut dire nidot. Regarde avec les femmes nida, qui a plusieurs femmes. C'est pas la même avec qui il récidive, mais c'est plusieurs femmes nida qu'il a. Et shen batot sa otarbe, dans l'interdit de nida, il n'y a pas plusieurs formes de transgression. Il y a avoir un rapport avec l'anida, et c'est tout. Une seule forme de transgression. Et chata otarbe. Et pourtant, alors j'ai un petit doute comment il faut lire la Mishnah, mais en tout cas, on va le lire comme ça. Il n'y a pas plusieurs manières de transgresser, et il n'y a pas plusieurs korban khatat. Il y a une seule, tu as eu un rapport avec une nida, t'es khayav, un korban. C'est tout, il n'y a pas... Ouais, bon, on interdit la nida, et à part ça, on va interdire aussi si lui fait un bisou. Non, il y a un seul interdit, c'est de faire l'acte. Tout ça, peu importe comment il va le faire, ça s'appelle l'interdit d'avoir un rapport avec une femme nida. Donc il n'y a pas dans l'interdit de nida, la Torah, elle a assez restreint l'interdit. À un acte. Et malgré tout, on tient comme halakha que chayav al kol achat ve'achat. On est chayav sur chacune d'entre elles, s'il y avait plusieurs femmes. Parce qu'on dit là-bas, goufin mechalkin. Chaque, comme ce qu'on a déjà évoqué, que chaque femme représente en elle-même un rapport différent de l'autre. Et donc il y a cinq transgressions, même s'il a répété la réflexion avec plusieurs fois avec chacune de ces femmes. Tout ce qu'il va faire avec une seule femme, c'est une seule transgression, c'est le khatat, c'est dans le même oubli, tandis que chaque femme représente un cas indépendant, parce que là-bas, on va dire la notion de goufin mechalkin. Le fait que ce soit des corps distincts fait que c'est des transgressions distinctes. Donc, nécessité d'avoir un korban distinct. Alors, dans ce cas-là, Shabbat, et regarde, dans ce cas-là, l'interdit de Shabbat, Sheyesh batotsaot arbe vechataot arbe, que la Torah, elle a proposé plusieurs manières de transgresser. Je t'ai pas dit de faire un travaux, c'était interdit de faire un travaux, mais quoi un travaux? Il y a plein, c'est tout déduit du Mishkan, Zoré, Achoré, Shkoser, Mahamer, Dash, Zoré, Borer, Tochen, et ainsi de suite. Il y en a plein de manières de transgresser le Shabbat. Et dans ce cas-là, d'être passible de plusieurs Korban Khatat. Donc tu regardes que Shabbat, la Torah, naturellement, elle a dit, les actions, on est facilement plein de Korbanot Khatat à Shabbat, même si on est tout dans le même oubli. Oui? On a tout transgressé Shabbat dans la même erreur. On n'a pas pris les lechot Shabbat. On ne savait pas qu'il y avait un interdit de Zoréa, Chomesh, Kotzer. Alors, dans ce cas-là, Enodin, Sheyeh, Chayav, Alkol, Achat, Vachat, n'est-ce pas plus fort que donc, il faudra aussi rendre Chayav sur chacun d'entre elles. La déduction par renforcée est un peu délicate, parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait une double question de Rabbi Akiva. À savoir, un Av et deux Toldot, et la même Melacha à chaque Shabbat. Je ne sais pas pourquoi, mais le Barthénora, il explique que sa déduction par Kalva Chomer, le Barthénora l'interprète comme ça, les mots que ça se rapporte sur la deuxième question sur plusieurs Shabbat. D'accord? En fait, Rabbi Eliezer, il veut simplement lui dire, regarde, Shabbat, chaque Shabbat représente un gouffre différent, donc des transgressions différentes. D'accord? Logiquement, d'après la lecture logique, il faudrait... Non, mais malgré tout, il lui dit, Pachatla Tarvi le Chomra. Ah, c'est ça, je fais attention, donc il pose déjà la question. Réellement, Rabbi Eliezer lui a dit que sur chacun d'entre eux, il sera chayav sur tout. Il a tranché les deux questions. Mais la preuve qu'il rapporte, c'est une preuve qui se rapporte que sur le deuxième. Que sur la deuxième, c'est-à-dire à savoir, est-ce que chaque Shabbat représente une seule transgression du Shabbat, ou représente chaque Shabbat une nouvelle transgression dépendante. Ok? En tout cas, elle a déduit ça du fait qu'il y a les nidot. Donc du coup, Rabbi Akiva, il va retrousser les manches, et commencer à attaquer de front la preuve. Toi, tu déduis ça du fait qu'un rapport avec cinq femmes Nida, dans la même oubli, tu oublies que c'était interdit d'avoir un rapport avec une femme Nida. Et du coup, il a eu un rapport avec ces cinq femmes Nida. Il est chayav sur chacune d'entre elles. C'est ça ta déduction? Et donc, tu déduis Shabbat de Nida.
Mais sache que Nida, c'est plus grave que Shabbat. Pourquoi c'est plus grave que Shabbat? Amar Tilo, je lui ai rétorqué. Lo, je ne suis pas d'accord. Ima Marta Benida, si tu as dit dans les Nidot que tu as vu qu'on est chayav sur chacune des femmes, tu sais pourquoi? Chez Yeshbashte Azarot, qui a un double interdit. Un homme qui a un rapport avec une femme Nida, lui, il transgresse et elle, elle transgresse. Un homme qui va fumer sa cigarette à Shabbat, il transgresse l'interdit de fumer la cigarette, mais la cigarette ne transgresse pas l'interdit de se faire fumer à Shabbat. D'accord? Ima Marta Benida, si tu as dit pour la Nida que c'est si grave qu'on va dissocier chacun, tu sais c'est pourquoi? Chez Yeshbashte Azarot, parce qu'il y a deux interdictions. Chez Humuzar Alanida, Vanida Muzar Atalav. Lui, il a interdit d'avoir un rapport avec la Nida, et la Nida, elle a interdit d'avoir un rapport avec lui. Donc de ce fait, ça va faire que chaque action, c'est une action encore plus grave. Avec une nouvelle femme, t'as encore fait un nouvel interdit, et elle-même, regardez comment ça dit, c'est simple à comprendre, ça distingue naturellement. Chaque fois que je vais avoir un rapport avec une nouvelle femme, elle va avoir un nouveau korban, ça signifie qu'on est en train de faire une nouvelle avéra. Si c'était la même avéra, on continuerait ce qu'on avait fait hier. Non, là, il y a un nouvel interdit, une nouvelle femme que maintenant, elle va devoir apporter un korban khatat. Donc tu vois bien qu'il y a ici une nouvelle avéra, puisque elle a une nouvelle avéra, moi aussi j'ai une nouvelle avéra. C'est un peu la logique qui propose Rabbi Eliezer. Tandis que Tomar Beshabbat, Shabbat, et là, Zara Khat, vas-tu dire que ce sera la même chose à propos du Shabbat, qu'il y a un seul interdit pour celui qui transgresse, mais pas pour la cigarette fumée ou pour la graine plantée. Amarli, il m'a rétorqué, Rabbi Eliezer, il m'a dit, Abba l'actanot yuchiyar, s'il va avoir un rapport avec des petites filles, qui sont nida. Oui, une fille, elle peut être nida. Là, elle parle même un bébé, il peut avoir du nida, s'il va avoir du sang. Imaginez que maintenant, elle a 3 ans, moins de 3 ans, ça s'appelle pas qu'il a eu un rapport avec elle. À partir de 3 ans, ça s'appelle qu'elle a eu un rapport. Imaginez qu'elle a eu un rapport avec une petite fille nida, avec 5 petites filles nida. Yes. D'accord. Il a eu 5 petites filles nida, il a eu un rapport avec chacune d'entre elles. Il devra quand même apporter un corban pour chacune. Et pourtant, il était béchogag. Et pourtant, elles ne sont pas passibles d'un corban. Donc tu vois bien que c'est une fausse histoire, ton histoire de me dire qu'elle aussi, elle est passible d'un corban. On s'en moque de son corban. Lui, il est chayav parce qu'il y a chaque femme représente un interdit distinct. Et de ce fait, chaque Shabbat va représenter un interdit distinct. Donc, je reprends dans les mots. Amar, il m'a rétorqué. Abba, la ktanot yuchiyach. Non, alors je vais te prouver ça. À partir des ktanot, des petites filles. Chez En Baem Ela Azarachat, qui n'a pour ses filles qu'une seule transgression. Vechayav al-Kolachat ve'achat. Il n'y a qu'une seule transgression, pour lui, pas pour elle, parce qu'elle est petite, elle. Et pourtant, Chayav al-Kolachat ve'achat, il sera Chayav sur chaque rapport qu'il aura avec une. Amar Tilo, il leur rétorquera Rabbi Akiva. Non, je ne suis pas d'accord. Ima Marta Beba al-Aktanot, si tu dis que t'as l'acha pour quand il va avoir un rapport avec une des petites filles, qui va être passible korban sur chacune d'entre elles, tu sais pourquoi? Shafal piché en bahen achav, même si elles ne sont pas condamnables tout de suite d'un korban, c'est vrai, mais malgré tout, yesh bahen acharzman, elles ont quand même un korban pour après. C'est-à-dire, elles n'apporteront pas de korban quand elles ont fait une avéra quand elles étaient petites. Mais ces femmes-là représentent en elles-mêmes une cause d'apporter un korban indépendant. La même chose, en grand, elle aurait dû apporter un korban. Alors c'est vrai que quand elle est petite, alors elle est ptoura du korban, mais c'est pas une preuve. C'est pas une preuve pour notre sujet. Ouais, on s'est compris. C'est en soi-même, chacun représente une cause d'apporter un corban, même si concrètement, il ne va pas apporter un corban. Donc, c'est pour ça que dans les femmes, ça va distinguer. Mais tandis que dans le Shabbat, alors on ne va pas distinguer, chaque transgression va être une nouvelle transgression. Tomar be Shabbat, vas-tu reporter à Shabbat, Shenba, lo archa, ve lo lachazman, que l'objet passif n'aura jamais de corban khatat. Amarli m'a rétorqué de nouveau Rabbi Eliezer, Tov, laisse tomber les filles, les femmes, les grandes, les petites, t'es têtu, j'ai mieux à te proposer. Abba ala behema yuchiyar, celui qui va avoir un rapport avec un animal. Il a eu un interdit d'avoir un rapport avec aussi un animal, c'était parmi les premières Ketout qu'on apprenait dans la Seret Ketout. Ouais. Eh bien, ba ala behema, veyuet abehema alav. Donc maintenant, ba ala behema, si on a eu un rapport avec une vache, et puis après avec une autre vache. Eh bien, il sera chayav de korban khatat. Et pourtant, l'animal, il ne doit pas apporter un korban khatat, lui. Donc tu vois bien que chaque corps représente un interdit distinct. De ce fait, je te redéduis de nouveau, pour chaque Shabbat, va représenter une nouvelle transgression distincte. Amantilo behema ke Shabbat. Rabbi Eliezer. Ta halakha, là, de la behema, d'où tu la connais? Tu la connais parce que toi-même, tu l'as déduit selon ta logique. Mais moi qui ne veux pas accepter ta logique que tu proposes de déduire ça des Nida, je te dis que la BMA a le même statut que Shabbat.
que réellement, si un homme il va avoir dans un seul oubli un rapport avec 5 femmes nida, il va porter 5 korban khatat. Mais s'il va avoir un rapport avec 5 vaches différentes, eh bien, il portera un seul korban khatat. Il n'y a pas ici quelque chose d'assez conséquent pour considérer qu'il y a un acte distinct. Ce mec-là, il est bestial et il a des rapports bizarres avec les animaux, d'accord? Mais on ne va pas distinguer est-ce que c'était quelle petite vachette, est-ce que c'était. D'accord? La vache qui rit, la vache qui pleure, c'est tout un seul interdit d'avoir un rapport avec un animal. Et c'est tout, quoi. D'accord? Donc il y a pas, on va pas les distinguer. Donc à BMA, moi, BMA que Shabbat, la BMA, j'ai la même question sur la BMA, sur les rapports avec les animaux, que j'ai la même question sur le Shabbat. Est-ce que le fait de transgresser plusieurs fois, avec plusieurs objets distincts, va considérer que c'est chaque transgression indépendante ou non, et toi, tu ne pourras pas me prouver par rapport à la Nida. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. Salam.